Ah, tout commence dans la tête. Hein. un jour, je me suis posé la question en me disant, mais voilà, tu as fait des années et des années de travail, de choses, d'objets, de recherches, beaucoup de montres toutes ces dernières années, ces 20 dernières années. Et puis, j'ai travaillé sur des objets mécaniques et puis ça me manquait un peu. Et en fait, je me suis dit un jour, il faut que je refasse de l'objet. Et puis évidemment, mon idée est un peu saugrenue parce que je ne suis pas du tout sûr d'arriver au bout. Là, on est dans un atelier où il y a un puits de connaissances. Technique et humain aussi avec Denis. C'est complètement dingue, quoi. Ouais, alors là, c'est pas vraiment en fait une construction comme on peut l'appeler une construction horlogère où tout est fixe, où tout est bloqué, où on va s'organiser pour faire. C'est plus des notes, c'est plus des petits croquis, des petits exemples de réflexion sur comment on va être un peu réalisé cette pièce. J'ai déjà fait pas mal de croquis différents pour y arriver. Les distances qu'il nous faut entre Mars, Vénus, la Terre, la Lune, voilà les différentes informations. C'est un génie. Pour moi, à côté qui est que 23 ans, c'est un génie. C'est tout. Et il arrive à le partager simplement, quoi, en fait. Même, je pense, quelqu'un qui ne connaît pas grand-chose arrive à assez rapidement s'imaginer. Enfin, voilà, un petit peu toutes sortes de réflexions autour de ce carnet qui n'est pas, proprement dit, un dossier de construction, comme on peut l'observer, mais qui est plus quelque chose qui va me permettre de réaliser l'objet un peu comme une sculpture qui se fabrique au fur et à mesure, comme une sorte de station spatiale qui est où il va y avoir des morceaux qui vont venir se mettre. Et puis qu'à un moment donné, je vais prendre une décision de dire je vais plutôt faire ça que ça. Mais ça va être plus par rapport à une sensation que j'ai qu'à une vraie réflexion, en fait. L'objet, il n'est pas encore totalement finalisé dans ma tête parce que j'ai travaillé que sur des... Je me suis fait des croquis, parce que ça qui m'amuse, c'est que l'objet soit évolutif, en fait. Mais la représentation du système solaire, comme le faisait à l'époque Janvier ou Passement, était autour de cette planète et le satellite de la Lune, éventuellement ceux de Jupiter, mais jamais poussé très très loin en nombre d'astres. Donc on fait vraiment une maquette un petit peu... à l'arrache, parce que c'est vraiment juste pour avoir des proportions et se donner une idée. Aussi, si c'est visible, tu vois, après. En fait, on est en train de jouer avec le feu à vouloir recréer l'univers. Peut-être que tout ça va devenir vivant, s'animer. Il y a à peu près 200 satellites qui sont validés par la NASA. Et j'ai décidé de représenter les plus importants, mais ça représente quand même environ 70 satellites qui tournent autour de leur planète respective. Et donc, il va demander des milliers de rouages, il va demander des calculs importants. L'idée, c'est de faire des mécanismes à peu près cette épaisseur-là, qui vont représenter les 8 planètes. Et puis esthétiquement, ça va être aussi pas mal, tu vois, une grosse colonne du temps avec les 8 planètes, et c'est, voilà. Puis de là, on va entraîner les satellites. Pour ce planétaire, on a dû restaurer une horloge d'édifice qui permettra de calculer les forces nécessaires pour entraîner tout le système. Ce qui a été aussi intéressant, c'est on a dû faire un assemblage de deux machines pour pouvoir polir ces sets de pignons. Là, on est vraiment dans le côté artisanal, où on recherche, où tu as besoin de quelque chose, bah, tu te fabriques ton outil, en fait, qui te permet de faire autre chose. Et c'est ça qui est intéressant. Alors là, en fait, c'est un peu toutes les données qui permettent de calculer les engrenages. Ouais, Jupiter, par exemple, on a 16 satellites, contrairement à Mars où il n'y en a que 2. Dont 4 qui tournent dans l'autre sens.
Donc ça va pas être tout simple de finaliser tous ces engrenages et de faire en sorte que tout fonctionne comme il faut dans le bon sens. Et voilà, et donc j'ai travaillé avec mon ami Michel Bulboreau pour en fait trouver les meilleures solutions de nombre de dents pour donner la meilleure précision possible sur l'ensemble des calculs d'engrenage. Donc tu vois, tu as Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter, Mars, la Terre, Vénus, Mercure, qui vont entraîner chacun des bras sur lesquels sera monté tous les satellites. On a 63 satellites et on a 8 planètes, donc on aura beaucoup plus de mécanismes comme ça, qui auront aussi une certaine épaisseur. Comme on a dans certaines planètes plus de 20 satellites, ça va faire des grandes colonnes du temps qui vont être excentrées, qui vont devoir tourner autour de l'objet. Après une carrière de maintenant un peu plus de 40 ans dans l'horlogerie, fait qu'en fait j'ai vu beaucoup de choses, mais en fait j'ai envie de remettre tout ensemble et puis de faire un objet où je vais pouvoir remettre toutes les techniques que j'ai apprises, que j'ai connues, que j'ai découvertes. Et puis mettre ça au milieu d'un objet, comme pour faire un objet historique en fait, une sorte de musée mécanique de l'histoire de l'horlogerie et de la mécanique d'art qui a plus de 6 siècles maintenant, voire encore plus. Bien sûr qu'un gros objet comme ça, il y a déjà des choses qui ont été faites. Les premiers horlogers dans les années 1550 environ, milieu du 16e siècle, ont commencé à faire des choses de ce genre-là, où en fait l'homme essayait déjà de représenter la voûte céleste et pour essayer de replacer la Terre et la vision qu'ils avaient de la Terre à l'époque. À l'heure actuelle, des maisons comme la NASA ont des capacités de nous donner des informations très importantes sur notre système solaire. J'ai l'impression que nous devons mécaniquement de retranscrire ces nouvelles informations, que nous n'inventons pas tout, ou n'inventons pas l'ensemble des choses, mais les réadaptons et les complétons pour en faire un objet un petit peu fou. On y met un petit soleil. Voilà. On peut mettre notre Terre inclinée à 23 degrés. Hein. Comme je veux représenter des fonctions assez importantes en fait, du temps et des calendriers, j'ai imaginé 4 colonnes. En fait. Donc il va y avoir la colonne pour le soleil avec les systèmes d'éclipses, les équations du temps. Donc la différence entre le temps, le passage du soleil au sud tous les jours à midi et le temps moyen que l'on a fait. Et la particularité de la Lune, par exemple, c'est qu'elle va tourner autour de la Terre, mais sur aussi l'écliptique en fait autour du soleil et pas avec les 23 degrés. C'est pour ça qu'on voit la Lune qui monte et qui descend dans le ciel. Au cours du temps, c'est à cause de ça. On peut facilement, je pense, agrandir, en fait. Ça sera pas du tout un objet... parce qu'en fait, même si on est là, on va très bien voir ce qui se passe. Il va y avoir une colonne qui va être celle de la Lune, qui est un astre très important pour nos systèmes calendaires, parce que les anciens, depuis très longtemps, se sont concentrés, en fait, sur le système lunaire pour faire les calendriers. Et il y a beaucoup d'indications. Tous les systèmes de marée, les indications des éclipses lunaires, le fait que la Lune est croissante et décroissante, mais qu'elle est montante et descendante aussi. Il y a des planètes qui font 80 ans à tourner autour du système. Même si ça fait 80 ans, ça sera embêtant. Tu vas me dire, on sera peut-être plus là, mais ça sera embêtant qu'elles se tapent l'une dans l'autre. Et puis qu'on dise, ah ouais, mais le système, il marchait pas. Donc voilà, c'est un peu le but. Donc ça veut dire calculer des engrenages d'angle, c'est toujours agréable à calculer, et puis tailler des engrenages d'angle, mais ça on sait faire, et puis installer après tout fonctionne quoi. Il va y avoir une colonne qui va permettre de savoir quand vont être par exemple la fête de Pâques, ou qui va donner les indications de tous les calendriers
utilisées autour du monde. Donc c'est sur des cycles assez importants. On va avoir des roues qui vont tourner en 2000 ans à peu près pour les fêtes de Pâques, mais on va avoir aussi pour la précession des équinoxes une roue qui va en fait tourner, se déplacer en 26 000 ans. Donc ça fera longtemps que on sera plus là pour l'avoir fait faire un tour. Et puis une autre colonne qui elle va recevoir un mécanisme plutôt un peu autour de la représentation de l'automate, de ce que l'homme en fait a réussi à créer comme cam pour faire bouger des choses mécaniquement. Et dans cette colonne, il va y avoir un chronomètre de marine qui va sortir de la colonne, qu'on va pouvoir enlever, partir avec soi. Quand on le remettra dans la colonne, il va pouvoir se remettre à l'heure et se réarmer. Et à l'intérieur de ce chronomètre de marine, on aura la même chose avec une montre bracelet. C'est-à-dire qu'on pourra poser une montre bracelet dans le chronomètre de marine. Et puis, elle va se remettre à l'heure et se remonter aussi en fonction du chronomètre de marine. C'est intéressant de les utiliser comme des poupées gigognes pour qu'elles se remettent chacune à l'heure de façon le plus chronométrique possible. L'idée aussi, c'est qu'au-dessus des colonnes, il va y avoir des sphères et il faut que je choisisse qu'est-ce qui me semble pertinent ou amusant de représenter par rapport au système solaire d'un observateur sur une planète particulière. Mais on verra, ça va être amusant. Mais c'est bien, parce qu'il y a quatre espaces pour le faire, donc c'est intéressant. On n'a plus qu'à faire deux, trois crobards, à essayer de placer quelques engrenages. J'ai déjà un peu réfléchi à la chose. Et puis on va gentiment commencer à faire des pièces. On va commencer à usiner. Et donc, moi, je voulais vraiment dire, mais maintenant, on va travailler d'une certaine façon qui fait qu'on ne va pas vraiment s'occuper du temps que ça va prendre. On ne va pas s'occuper de ce que ça va demander comme effort. On va simplement faire un objet qui nous donne envie chaque jour de continuer à le faire, qui donne l'envie de préparer et tout ça. C'est un projet évolutif qui, tous les jours, a une nouvelle technicité dans 5 ans. Ce sera un projet qui sera différent, mais l'essence du projet sera là. Et ce sera une pièce magnifique. Du coup, ça c'est Mars, avec le premier prototype de satellite, qui est Phobos, qu'on vient de finir. Je travaille avec des jeunes, là, en ce moment, qui viennent d'autres horizons et qui apportent certaines choses au projet. Et donc, en fait, c'est de regrouper aussi une équipe. Moi, j'étais hyper intéressé, je trouvais ça juste fantastique. Surtout à l'échelle où ils veulent le reproduire. C'est complètement dingue, quoi. Avec Manu, on apprend tous les deux tout, en fait. On n'est pas du tout dans une démarche industrielle. Il y aura 8 des éléments comme ça d'entraînement de planète. Et sur les 8 seront disposés 72 satellites. Là on a Mercure, Vénus, la Terre, Mars. Donc il en manque encore quelques-unes. Hein. Et puis on n'a qu'un satellite, Phobos, pour l'instant. Et donc il y en a encore 62 comme ça. Donc en fait, on a un dixième du mécanisme du planétaire pour l'instant. C'est quelque chose en taille réelle qui me permet de réfléchir non seulement si toute ma mécanique elle est vraiment réfléchie le mieux possible pour que ça fonctionne le mieux possible, mais en plus, si elle est esthétique, si je peux changer des choses, si je peux encore améliorer un petit peu. Donc c'est une jolie pièce d'étude qui va permettre de continuer la suite. Ouais, c'est sympa hein, quand même. C'est sympa. Hein. Et voilà, c'est une sorte de rêve comme ça. Une sorte de rêve éveillé que je me suis donné de faire. Je pense que on va mettre 5 ans pour le faire, mais j'en suis pas sûr en fait. À chaque fois que quelqu'un me le demande, je dis que ça va être 5 ans. Donc peut-être ça va être plus.